Alors, cette conférence a été organisée par des femmes, pour une femme. Parce que tout simplement, elle incarne des valeurs qu'incarnent toutes ces dames. Ngoï est une dame qui est une référence et qui n'est plus à présenter. Seulement, quand on la voit derrière ses accessoires, comme l'a dit tout à l'heure en Wolof, ma consoeur Marianne Serra, quand vous la voyez avec ses parures, quand vous la voyez avec ses habits, vous avez l'impression que c'est une femme superficielle. Alors que bien au contraire, c'est une dame avec un grand D. Et c'est pour ça que ces dames qui sont autour de nous et qui organisent aujourd'hui cette conférence l'ont portée à la tête de cette association qui s'appelle Kaibar. Comme tout regroupement d'individus, Kaibar tend vers tout simplement le bien. Hein, et le terme en Wolof permet de tout dire. Donc on est dans le, ces dames sont dans le social, elles sont dans la culture, mais elles sont aussi dans la religion. Raison pour laquelle aujourd'hui, elles sont là pour cette conférence avec un thème très spécial qui montre que la femme, elles sont en fait des féministes. Et Marianne Silla qui est à côté de moi, elle incarne bien au jour le jour. Et c'est pour ça qu'elle aussi, elle est dans ce, je dirais dans ce mouvement. Hein. Moi, je dirais une association, un mouvement, parce que tout simplement, toutes les grandes volontés sont là. Et c'est presque tout le Sénégal, c'est national, c'est international. Et tout bientôt, Inch'Allah, au Rabbi, vous verrez une autre facette de Kaibar.